démarré campagne ba léegi ak suñu comité électoral bi nga xam ne man maay directeur de campagne bi, demoon nañu fan yëpp di seeti kilifa yi di waxtaan ak ñoom. D' abord noonu la ñu tujjee suñu campagne. Jëloon nañu ñetti fan yoo xam ne di ñu dem ci tund bi seeti yenn kilifa yi, waxtaan ak ñoom, ak ñi nga xam ne présent tey àndoon nañoo coalition benn bokk yaakaar, te peut être am noo xam ne aussi fa la ñu féete woon. Étape boobu nag bàyyiwuñu kenn, ndax tey am na ñoo nga xam ne sax il se réclame de l' opposition te bokkoon nañu ci mouvement présidentiel ci tàmbali ba, ñooñu sax bi ñu jógee dem nañu seeti leen. Mais ñu santaat yàlla bu baax, ndax tamit tey boo xoolee situation politique bi ni mu tëddee dafa mel ni aussi am na ñu nga xam ne daanañu réclamer seen bopp mouvement présidentiel, te tey wane nañ seen bopp ne àndatuñu président de la République. Donc loolu nekk na loo xam ne aussi lu leer la lu ñu mun a wax. Ñaareel bu aussi ñi nga xam ne tey ñoom daje ñoo daje di wax ni ñoom seen bopp opposition lañu, il faut ñu xam ne aussi am na ay responsables yoo xam ne dañu àndoon ak ñoom, te responsable yooyu ñoom la ñu àndoon ak ñoom mooy ci coalition président Macky Sall moo taxoon ñu ànd ak ñoom. Ñooñu nag tey bi jóg jotee dañu jóg jël seen responsabilité carrément wax ni ñoom maire Bambi loolu la ñuy àndal, ndax kenn ku nekk umpulewul ni amoon na waxtaan bu nga xam ne defoon nañ ko Dakar sous la tutelle du ministre Omar Gueye, ba nga xamee ni président joxe na ay directives, ñu waxtaan bi ñu waxtaanee ñun ñëpp ñu joxante loxo. Alors bi ñu joxante loxo ñu wàcc ci base bi, moo tax dinañu remercier ku mel ni Aliou Ley mi topp sama wet ak Omar Gueye Junior ñoo xam ne ñun ak man ñoo bokkoon coalition ak monsieur Soxna. Tey yàlla dafa bi ñu waxtaanee ñu déggoo ñun ñëpp ñu ànd bokk ndey bokk bàyyi pour jàppale la coalition benn bokk yaakaar. Donc dinañu profité ci loolu aussi di remercier coordinateur départemental Omar Gueye, di remercier aussi le ministre d'état Ismaïla Madior, di remercier aussi le candidat bi nga xam ne mooy candidat département bi muy Ndiaye Diop. Man nag comme ni ma koy faral di waxe rek, tey bu ñu xoolee choix bi nga xam ne tey président de la République def na ko jëmale ko ci candidat Ndiaye Diop, ñun ñëpp war nañu d' accord ne lu mun a nekk la. Parce que bu fekkee ne benn bokk yaakaar tey bi ñu demee élection moom moo rawoon, kon dina jaadu choix boobu bu ko président defee dina jaadu ci dégg-dégg ak gisin. Et li fi nekk nag mooy man jàpp naa ni xëy na lay élection locale loolu suñu ginnaaw la, bokkul ak élection législative. Et que tey man jàpp naa ni képp ku nga xam ne tey yaa ngi nekk ci opposition muy opposition locale bi tey bu fekkoon ni def nañ la candidat, man jàpp naa ni ki lay jëkk campagne mooy Ndiaye Diop bu fekkee mouvement présidentiel nga bokk. Kon waroon nañ ko mën a delloowaat la bal, parce que mbir mi nag dafa nekk loo xamee ni choix bu xasee am rek, te ñun ñëpp ñu jàpp ni choix bi ñu nag moom ñoo dëkk, te doléance département bi aussi war na ci mun dara, kooku war naa yaakaar naa ni choix bu am solo la. Ndax nekkoon na liste nationale, mu jógee foofu tey mu nekk liste départementale, donc yaakaar naa ni choix boobu président def daf ko def ci réflexion la ko defee. Et léegi nag dugg nañu ci campagne bi, fas nañu yéene aussi fépp fu nga xamee ni jàpp nañu ni mbokk ba nga fa, xarit ma nga fa, am di jàmm nga fa, ñu dem fa waxtaan ak yow. Ba am nañu yaakaar ni daal nit ñi seen bopp war nañu xam ne tey fi ñu toll ci réew mi, jàpp naa ni su fekkee ne amuloo ndaw lo nga xam ne mat na ndaw mën la toogal ci pencum réew mi, xëy na soxla yi ak bëgg-bëgg yi ni ñu ko bëggee du ñu demee. Kon bu yàlla dimbalee ñu am ko nga xam ne ci ñun la bokk mu mën ñu toogal ci pencum réew mi, loolu jar na sant yàlla. Kon tey ñuy population de Bambilor ak tout le département de Rufisque ñi ngi tàllal loxo ñëpp ñu nga xam ne vraiment jàpp nañu ni tey candidat bi nga xam ne mooy candidat wu bennoo bokk yaakaar au niveau du département war nañ ko mën a jàppale ñun ñëpp. Ndax nag
kenn ku ne umpule wul ni département bi mom nek na fi député nek na fi vice président du conseil départemental nek na fi maire yoron na fi délégation spéciale donc je pense que tay boudé maturité politique rek amnako kon warna mëna doxal normalement département bi li ci dess nak moy nit ñi nañ nangu choix choix yalla mo koy désigner mais du nit yalla nak bu défé choix ñepp duñ ci wara bok and kon ñun bi nga xamné ñoy comité électoral bi d'accord nañu ci choix bobu té fass nañu yéne aussi accompagner choix bi kon ñi ngi wo képp ku nga xamné yaang ci département du fisc ak fo mëna bok ñu ñëw bok nday bok bay jappalé candidat bi nga xamné moy candidat coalition benno bok yakar pour que au soir du 31 ñu am vraiment une majorité à 70 voire 75% parce que nak lolu moy tax li nga xamné moy suñu bëgg bëgg tay ñu mën ko atteindre ndax kenn ku ne xamné tundu wi limu laaj bari na département bi limu laaj bari na mais lolu su fekke amuñu ko xamné taxaw na taxaway bo xamné dina ko mën diko dox ak diko waxal askan bi day nek kon bu boba lo xamné day soxé donc ñi ngi ñaanal vraiment suñu candidat bi nga xamné tay moy candidat benno bokk yakar yalla jappalé ñu ci ba ñu am ci ndam ba am ci lu wessu vraiment suñu jox donc ma ngi leen di gëreum di leen sant wa salam messieurs chers journalistes nous vous remercions de nous avoir accompagnés aujourd'hui dans le cadre de cette conférence de presse que le comité électoral a bien voulu aujourd'hui organiser d'abord pour fournir un bilan d'étape par rapport à quelques jours de campagne électorale au niveau de la commune de Bangalore et apporter également quelques éléments d'éclairage par rapport à quelques humeurs ou bien quelques rumeurs je devrais dire politiques que nous avons constaté il y a de cela quelques jours pour ce qui concerne le bilan d'étape il est fondamentalement important pour nous et pour également les électeurs, pour les populations, de constater avec plaisir et bonheur que les populations, de façon générale, les électeurs, ont décidé de nous accompagner pour, au soir du 31 juillet, que la liste Benno Bokk Yakar puisse gagner largement à hauteur de 75%. Il y a un travail qui avait été déjà fait et nous continuons dans la même dynamique. Et nous sommes confiants, Inch'Allah, au soir du 31, nous allons gagner. Les raisons sont là, les arguments sont là également valables. Nous avons fait le tour de la commune. Nous avons rendu visite à des hauts responsables de la zone. Nous avons échangé avec eux. Et pour la plupart d'entre eux, ils ont décidé de laisser tomber les coalitions d'antan pour venir accompagner la coalition Benno Bokk Yakar. Donc, il y a de quoi espérer qu'au soir du 31, Inch'Allah, la victoire sera éclatante. Je dois également préciser qu'il y a une certaine opposition locale qui dit détenir 66% en termes de pourcentage selon leurs calculs. Je dois préciser, moi qui vous parle, ainsi que les hauts responsables qui sont à mes côtés, faisaient partie de ces coalitions-là. Et nous avons décidé de laisser ces coalitions et de venir appuyer la coalition Benno Bokk Yakar. Donc si vous faites une petite déduction par rapport à l'électorat que nous avions et que nous avons décidé de quitter ces coalitions-là pour venir accompagner la coalition Benno Bokk Yakar, je crois qu'il y a de quoi espérer qu'au soir du 31, ils auront une grande surprise. Alors, le choix n'est pas fortuit. Il faut comprendre que ces élections-là ont un enjeu énorme. C'est une élection nationale, avant d'être une élection départementale ou communale. C'est une élection nationale. Le président de la République, Macky Sall, mérite d'avoir une assemblée à majorité Benno Bokk Yakar, de par l'excellent bilan qu'il a eu à faire durant ces années-là. Au plan
éducation, au plan de la santé, au plan infrastructure, au plan santé. Dans tous les domaines de la vie publique, le président de la République a investi énormément et mérite pour les deux ans qui restent de son mandat d'avoir une assemblée majoritairement Benno Bokk-Yaakaar. Donc de ce point de vue-là, nous allons nous battre pour que ces résultats-là, on puisse les avoir. Et cela va honorer ce pays-là. Ce qu'il faut comprendre également, c'est que l'opposition nationale veut imposer ce qu'on appelle la cohabitation. Ça signifie quoi? Ils se battent pour avoir une majorité au niveau de l'Assemblée nationale et imposer une cohabitation et choisir ou faire choisir au président de la République, même un premier ministre. Je crois que si nous avons une opposition qui passe tout son temps à brûler ce pays-là, qui passe tout son temps à dénigrer, si on fait le risque de confier cette opposition-là une majorité à l'Assemblée, ce sera scandaleux. Donc nous sommes des personnes responsables, nous sommes des jeunes, nous avons envie d'hériter un pays, nous avons envie d'avoir un pays où il y a la paix qui va régner. Donc de ce point de vue-là, nous considérons que la cohabitation qu'espère l'opposition, désespérément d'ailleurs, excusez-moi de la redondance, n'aura pas lieu. Ça, on peut vous jurer cela et nous allons travailler là-dessus. Concernant le département de Rufisque, naturellement, nous, on a fait le département. On a tâté un peu le pouls. Et ça fait plusieurs années qu'on va aux élections. Donc nous avons conscience, d'après ce que nous avons vu dans tout le département, qu'au soir du 31, avec tous les leaders que nous avons, tous les ministres que nous avons, tous les directeurs que nous avons, qui se sont investis sur le terrain et qui continuent encore de s'investir sur le terrain, évidemment, la victoire sera nette à hauteur de 75 à 80%. Le problème pour nous, ce n'est pas de gagner. Le problème, ce n'est pas de gagner. Parce que forcément, on gagnera, Inch'Allah. Mais c'est le taux de participation et également le pourcentage. La bali, il n'y aura pas. Fauf le nuit. Donc, c'est en ces termes-là que je voudrais terminer la séance et dire que nous faisons un appel, nous lançons un appel à tous les jeunes, de façon générale, à tous les leaders, à toutes les femmes, de se mobiliser encore, de se remobiliser encore. Parce que nous avons besoin d'être soudés. Nous avons besoin d'être ensemble. Parce que ces élections-là, c'est des élections cruciales. Alors, je suis venu à dire que aujourd'hui, nous sommes dans la commune de Bambilor. Chef honorable député maire et de liste de la coalition Benno Bokk-Yaakaar. Comité électoral bi ak l'ensemble de la population ñoo jakarlo ak yeen tay. Di jëk nak de sante gërëm le président de la République soir bi mu def ci le digne fils du département de Rufisque dekk fi ci commune Bambilor muy honorable député Ndiaye Diop. Muy soir bo xamné c'est un soir incontestable du point de vue résultat yi mu am ci local yi mais aussi engagement ak popularité bi nga xamné moko top ci département de Rufisque. Di wax rek né askan bi tay honorable député maire ku né gis na ni mo taxawé durant les 5 ans ci assemblée nationale de plaider au niveau départemental mais aussi de plaider fi nga xamné moy 3C ba 5C di wax rek né tay choix du choix bo xamné tay ken de ko lam lamé parce que nak tay amna lo xamné ay plaidoyer fort population bi di ko xaar rawatina les 3C fi ci commune Bambilor lu démé ni foncier bi ak yenen ak yenen tay mom kessé mom mëna tay jël préoccupation population bi yobbu ko ci kaw comme nim ko don def kon di lancer un appel solennel à toute la population de la commune de Bambilor à tout le département de Rufisque ñu voter la coalition Benno Bokk-Yaakaar parce que coalition bo xamné la dañ koy voter pour la continuité mais aussi pour l'apaisement parce que nak gis nañ tay opposition bi ñu jakar lool moy opposition bo xamné tay yéfit na rek lañuy def té tay communication bi ñuy def communication bo xamné la dañuy influencer les jeunes à la violence ñuy appel nak jeunes ñi pour ñu plus de retenue
plus aussi ñu taxaw ci bir coalition ben bok yaakar parce que coalition bo xamné le président de la république il a beaucoup fait pour la jeunesse le président de la république gis nañ ni mu def ci investissement yi nga xamné mu ngi ci sénégal tay bu ñëw ci département de rifiske ku dugg jëm ñaaju sa xel dina dal tay dañ né création emploi mais ñaata emploi le créer à jëm ñaaju bu né l'entrepreneuriat des femmes le président limu def ben président def ko kon bok muy jigen di ndaw nañ tak suñu sœur jox majorité président parce que cohabitation baaxul parce que cohabitation mën na indi lu né rawatina nak pour déstabiliser le pays di wax né rek choix bo xamné le c'est un choix incontestable pour l'honorable député di dalal suñu xel bu baax on va gagner les élections.